Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de faire un petit tirage sur la France en général, pourquoi pas. Donc, j'ai pas de questions particulières. Peut-être que nous allons ressortir Emmanuel Macron, les Gilets jaunes ou Benalla, pourquoi pas, puisqu'on en a entendu parler ce jour. Mais je vais faire un tirage général sur la France. Donc, on y va. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite touche abonné en bas à droite, je crois, et à côté une petite clochette. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, ce qui vous enverra automatiquement les vidéos. Donc on y va. Tirage général à la France. Je vais mettre 5 cartes et France prend 5 lettres, donc on va le faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Que va-t-il se passer en France? Déjà, la musique est assez agitée, ça me fait sourire. Ah, je reviens, j'ai Jess qui me demande à boire. Je reviens tout de suite. Eh bien, me revoici. Donc, je vais effectuer le tirage, comme je vous disais, sur la France en général. France. Hop, je vais changer de main. Je vais bientôt recevoir mon support. Ça nous aidera énormément. France, que va-t-il se passer en France? Donc, je ne cesserai de le redire, je suis médium et non pas cartomancienne. On soit bien d'accord. Donc, ce qui fait que sur une carte, je peux voir plein d'autres choses, ou alors rien du tout, ou alors cette carte sera complètement inversée par rapport à ce qu'elle peut représenter elle-même. Donc, ici, je me sers de l'oracle Béline, l'urne du destin, qui a été fait par Christine Kühner. Le voici, je le remontre. Pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas, je crois qu'il est plus en vente, mais bon. Vous pouvez toujours le chercher sur Internet. Voilà, donc allons-y. Donc France, que va-t-il se passer en France? Hop. Que va-t-il se passer en France en général? Que va-t-il se passer en France en général? Que va-t-il se passer en France en général? Il y a une découverte qui va se faire sous très 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 peu de temps sur un homme qui est enchaîné, un homme qui paraît important, où il y a une découverte encore sur des papiers ou une écoute auditive, quelque chose qui peut porter à confusion, qui peut faire défaut. Sur le gouvernement et la France actuellement. Je ne sais pas pourquoi je pense à Benalla. Je peux me tromper, on va continuer, mais franchement, je pense à Benalla. Ah oui, il y a vraiment un enchaînement. Puis en plus, le despote ressort à l'envers. Donc ça veut dire qu'il est prisonnier de ses chaînes et qu'il peut très très bien, au bout d'un certain moment, si on le retient, parler et dire des choses qui sont cachées actuellement et qui n'ont pas le droit de ressortir. Donc, attention, il peut y avoir quelque chose de très fort sous 10-12 jours, je dirais, ou une découverte d'un papier ou alors quelque chose d'auditif. Les plaisirs sont retournés. Donc là, on a quelqu'un d'enfermé ou quelqu'un qui est... Oui, qui est enfermé, qui ne fait pas ce qu'il veut. On a les plaisirs retournés, c'est-à-dire on ne s'amuse plus, on cogite. La situation déplaît à un personnage important. Le départ, on pense à une fuite, à un nouveau départ, non, à un départ d'un endroit où l'on est enfermé, mais ce départ est très difficile et ne se fait pas. La carte est retournée. Donc, on est dans l'ennui, on a envie de parler. Eh bien, dis donc, les cartes sont à l'envers, hein. Donc, la famille, bah oui, on est bloqué. Et la découverte, donc on découvre des choses cachées. Ouh, mais là, il y a quelque chose de médiatique. Il y a un média, oui, bah, je pense à peut-être Mediapart, hein.
entre parenthèses, c'est pas impossible. On va continuer à retourner les cartes, mais il y a une découverte, il y a quelque chose qui continue dans l'ombre. Donc ce mot, je le sors souvent, c'est-à-dire des choses où l'on n'est pas encore forcément concerné. Donc, mais ça se découvre, ça arrive tout doucement. Je vais toutes les recouvrir une à une. Je vais vous faire un petit zoom sur Jessie qui me regarde de près. Donc, si vous l'entendez, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, la France. Que va-t-il se passer au niveau de la France? Allez. Au niveau de la France, que se passe-t-il au niveau de la France? On peut parler de manifestations. On peut parler de nouvelles lois. On peut parler d'Emmanuel Macron. Va-t-il rester au pouvoir? On peut parler de tout. D'accord. Donc, on a... c'est un média, ça. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Un média, une personne importante. C'est étrange, je vois une femme. Et un homme... Une femme, non, non, une femme qui apporte quelque chose et qui apporte la paix au niveau de quelque chose de découvert et contre quelqu'un. Ici, on parle d'argent, de puissance, d'argent, le présent peut être aussi des choses qu'on entretient avec quelqu'un d'autre, mais qui sont cachées, qui se présentent comme un cadeau en fait. Mais là, pour moi, je suis plus sur une somme d'argent. On découvre quelque chose ou de l'argent, où il y a un trafic d'argent, tout simplement. Les gens qui sont retournés sous un retard. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jours maximum, quelque chose qui arrive, qui on en entend parler à la télé, on n'en entend pas fortement parler, pardon, à la télé. Oh là là. Oui, départ à fortune. Donc là, c'est bizarre. Hein. Je ressors vraiment... je fais un tirage sur la France, mais je ressors Benalla. L'histoire de Benalla. Donc là, on pense à un départ. C'est-à-dire, bon, on va me sanctionner quelque temps, mais je ressors. Alors qu'en fait, il ne ressort... Enfin, il ne ressort pas. On le bloque. On le bloque et il ne fait plus ce qu'il veut. Donc pour lui, ça crée une infortune. Ça crée un handicap. Et là, il y a vengeance. Vengeance au niveau de... Quelque chose qui sait où il pourrait se lâcher au niveau d'un jugement ou de la France, pourquoi pas, de la France sur quelque chose de caché au niveau de l'argent. La grâce. On se libère par rapport à... Oui, c'est ça. On se libère par rapport à... par rapport à une condamnation, on fait grâce, on explose quelque chose, on découvre quelque chose, et ça concerne réellement découverte d'une somme d'argent cachée. Donc la famille, oui, bien sûr, la famille, on la voit, c'est quand même une carte assez positive. Mais là, on ressort plus Benalla occupé par... par sa famille, mais est-ce que le président de la République ne ferait pas indirectement partie de ses grands amis, etc. On voit bien l'oiseau protéger ses petits. Donc on voit bien quelqu'un au-dessus qui protège le petit, mais le petit a l'air totalement bouleversé. Est totalement contre ce qui est en train de se produire. On sent un abandon. C'est comme si on abandonnait, qu'on protégeait moins un personnage influent. On continue. J'aurais bien parlé d'autre chose. Oh, regardez comme elle est belle. Et Jessie, c'est totalement coché. Elle se repose. On continue. Alors, allons-y. On y va. Ah, alors là, par contre, j'ai un flash. Alors, je ne le comprends pas. Alors, j'aperçois, on me montre une caverne. Hein, donc, là, rien à voir. Par contre, je tiens à le dire parce que je vois quelque chose que je n'analyse pas du tout.
Je vois une caverne ou alors un souterrain. Il y a des gens qui marchent et qui attendent. Ça fait comme un gruyère. Comme si on avait un fromage. Comme si on avait un fromage. Un petit labyrinthe où des personnes habillées de vert, je dirais, ou sombres, qui se cachent dans des galeries, plus que c'est que ça. Je vais baisser le son, ça va me gêner. Hop. Ouais, j'ai vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que nous sommes toujours pareil, Montmartre ou la Tour Eiffel. Je ne sais pas à quoi ça correspond. J'entends le mot... Non, on se cache, on attend quelque chose. On continue. Des nouvelles qui arrivent télévisées ou et qui apportent un coup de soleil et qui apportent un changement total sur ce que le peuple attend en fait. On découvre quelque chose et ça nous fait du bien. Sur une trahison, on ressort un changement total et toujours pareil, le peuple découvre quelque chose de caché et ça les rassure, ça les console quelque part, on est bien manipulé. On peut douter sur cet état de manipulation de masse, c'est évident et je le conçois tout à fait que des personnes ne se rendent pas compte véritablement de ce qui se passe en France. C'est tout à fait normal, chacun sa façon de voir, chacun son avancement. On ne peut pas aller contre les personnes qui ne me croient pas. Inconstance, vent, 10, 11, 12, 12, 13 jours, 12, 13 jours, découverte sur une trahison, encore une fois. On a un homme important, on a quelqu'un qui sort de son trou, on dirait. Oh là là. Non, alors c'est bizarre, on me montre ce gruyère, encore une fois, ces petites souris qui sortent d'un trou, d'un gruyère. Je vous l'explique vraiment comme je le vois, parce que j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire réellement. Qui sortent d'un trou et qui grimpent à la surface de la terre. C'est fou. Vous allez me prendre pour une dingue. Pour détruire des gens importants. Des gens importants. Et là, on est vraiment ruine. On est vraiment dans des gens du pouvoir. Donc là, on pourrait être sur le gouvernement lui-même, quoi. Emmanuel Macron, et tutti quanti, et toute la suite. Et tous les siens. On sort de la terre. On apparaît. On va chercher. On arrache. Ou on fait sauter. Quelque chose pour prendre quelqu'un et retirer des gens. Alors là, on n'est pas sous 10 jours, mais par contre, c'est imminent quand même pour moi, sous un mois et demi. On est au mois de février, mars, avril, mai. Avant mai, il y a un gros nettoyage de fait au niveau de la maison mère, entre guillemets, au niveau de l'Élysée. Il y a un grand nettoyage de fait. Oh là là, on découvre quelque chose de terrible au niveau de l'argent. On a détourné plein de sous-sous et les vérités tombent. Alors, est-ce que c'est Benalla qui va parler? Ça m'étonne. Franchement, est-ce que c'est ces petites souris qui sortent du gruyère quand on marre de quelque chose et qui intentent à la vie ou à la cage secrète de Macron? C'est pas impossible non plus. Bref, il y a un gros retournement et malaise sur une situation financière de détourner carrément. On découvre carrément une énorme somme d'argent cachée. Il y a un gros malaise à ce niveau-là. Je remonte un tout petit peu, voilà. Bientôt on aura le support, ça fera comme ça. Rien ne bougera et ça sera mieux pour tout le monde. Je continue.
puisqu'elles veulent bien parler. Et voilà, j'ai à nouveau dans ma tête ce petit labyrinthe, enfin ce grand labyrinthe. Il est très foncé, c'est gris dedans. C'est gris dedans, ça fait comme une caverne ou je sais pas. Même pas les catacombes. Je ne sais pas, je comprends pas. On continue. La chouette. Donc c'est quelque chose qui travaille dans l'ombre. Donc là c'est la sagesse, hein, c'est-à-dire on ne dit pas, on ne dit pas, on ne donne pas tant qu'on n'a pas plus de preuves que ça. Tout reste vraiment caché. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que les faits soient avoués et qu'on ne puisse pas revenir dessus. Alors là, on a un retournement de situation au niveau d'une entreprise, des entreprises, des choses qui se travaillent encore une fois dans l'ombre. Donc on travaille, ça c'est les médias ou c'est un média qui travaille directement dans l'ombre, dans le secret, sur quelque chose de très très gros et qui touche le gouvernement, les entreprises, absolument tout, tout, tout. Donc là, on a une main. Donc là, on pourrait le ressortir. Mon Dieu, j'ai pas envie de nommer Macron Edmond. Mais bon, pour moi, c'est le président de la République qui se retrouve à l'envers et trahi, donc bloqué, coincé totalement. Donc sous un retard, mais très peu de temps, on le bloque, on va le chercher, on l'arrache. On l'arrache de son endroit. C'est fou. C'est... J'ai presque envie de dire, non, c'est pas un coup d'État. Enfin bref, ça va remuer les gens, il y a des personnes qui arrivent. Et voilà, et maintenant je ressors l'Italie. Et si c'est pas l'Italie, j'ai un peuple étranger qui vient à la rescousse ou qui va aider indirectement la France. Si c'est pas l'Italie, c'est l'Espagne. J'ai complètement le bas de la France qui est touché sur la partie gauche du bas de la France qui est touché. Hop, on remonte, on remonte. Il y a quelque chose qui va se passer de très 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 important, de très important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne s'attend pas, mais tout va se découvrir. Donc je fais ce tirage, mais je continue et je maintiens qu'on aura un très très beau mois de mai et calme. Ce qui ne veut pas dire que l'année sera totalement belle, mais à la suite, pardon, après le mois de mai. Mais en attendant, j'ai un mois de mai très 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 joyeux pour le peuple. Je peux me tromper un mois à l'avant, un mois de moins, un mois de plus, mais pour moi, c'est mai. Joli mois de mai. Donc, méchanceté, méchanceté. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se délivre, quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui crache et qui envoie le feu. Et là, on est bien sûr Emmanuel Macron. Donc, pour moi, c'est ou Benalla, ou une personne, ou un média. Il y a quelque chose qui va se découvrir d'énorme. Oui, la sagesse. Ah non, c'est l'appui. L'appui, mais bon, l'appui est à l'envers. Hein. Donc, l'appui tombe. Hein. On est copains, tout va bien, pas de problème et tout. T'inquiète pas, mon grand, tu es mon ami, tu vas y arriver, t'es un grand. Et ben, en fait, non, là, on se retourne et on risque de cracher du venin et la situation risque de se retourner au niveau, toujours pareil, d'Emmanuel Macron. Des choses vont se dire, quelqu'un va parler. C'est un homme qui parle au niveau de lui directement. C'est un homme qui parle et au niveau de papier ou de médias, je ressens bien l'étoile de la femme. Peut-être pas très féminine, mais l'étoile de la femme quand même. À moins que ce soit un homme au féminin. Mais bon, je pense toujours à Mediapart quelque part. On continue. Eh bien voilà, les choses se déroulent tout à fait comme il le faut. Par contre, il risque d'y avoir des pertes. On va passer par une destruction massive de quelque chose. Donc, par contre, c'est plus, vous voyez, des tours.
Même s'il y aura certainement des personnes malheureusement dedans, je ressors tout de même des monuments, des tours ou des maisons, des structures où il y a de la pierre, il y a vraiment de la pierre autour. On va continuer. C'est étrange, hein, cette Italie qui ressort, ou l'Espagne. Je ressors un homme en Espagne qui peut être important pour peut-être la France. Allez, on va continuer. Hop. Écoutez, je voulais un tirage sur la France, mais apparemment, on est parti sur Benalla et Emmanuel Macron. Je continue. On va s'arrêter là, d'ailleurs. Je retourne les cartes parce que j'aime pas voir les cartes à l'envers. Donc on a les honneurs, mais vous avez vu que la carte était à l'envers. Donc c'est les honneurs sur la sagesse. La sagesse aussi, je crois qu'elle était retournée. Je suis pas sûre, mais bon. Donc la sagesse retournée et les honneurs retournés, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on utilise la sagesse et on aura les honneurs au niveau de quelque chose qui est impur, qui n'est pas propre et qui a été toujours caché. Par contre, on ressort sous un retard. Des honneurs et une grâce vis-à-vis de choses de cachées. Il faut et il fallait que ça se découvre. Oui, donc là, on a un gros procès. Donc, on va chercher à mettre quelqu'un en prison ou l'attacher. Donc, on a Emmanuel Macron à un côté. Hein. On va chercher vraiment à retirer cet homme du pouvoir et tous les petits qu'il y a autour. Hein. Alors, je dis petits, c'est sûr qu'ils sont plus grands que nous. Mais bon, tous ces gens, tous ces députés, tout ce qu'il y a autour d'Emmanuel Macron. Cependant, autre chose, encore une fois, donc je vais me permettre de retourner celle-là, voilà, on est dessus. Encore une fois, parce que j'allais dire, vous voyez, on montre quand même une arme, on montre quand même quelque chose qui coupe pas. C'est évident, qui coupe pas. Et là, et Emmanuel est là, pour moi, hein, au niveau, voilà, et là, j'ai le feu. Donc, y aurait-il pas plutôt un attentat vis-à-vis de cet homme. En plus, j'ai pas les airs, non, mais j'ai quelque chose qui coupe, encore une fois, qui coupe. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo. Ça coupe, ça fait mal, ça tranche. Est-ce qu'on va lui faire des misères? Est-ce que il y aura un attentat contre lui? C'est pas impossible du tout. Dans tous les cas, on cherche à retirer cet homme de l'Élysée. Il y a des choses qui se font absolument cachées. Actuellement, on travaille énormément, énormément dans l'ombre pour attendre le bon moment. Au niveau de la méchanceté, oui, ben là, c'est pareil. Oh, ouais. Alors voilà, ben, est-ce que c'est pas Benalla qui, non pas qui fait un attentat vis-à-vis de, ou qui attente à la vie d'Emmanuel Macron. Non, absolument pas, mais est-ce que c'est pas lui qui commence à parler, à déclencher les foudres? En tout cas, dans tous les cas, on a un homme qui balance, qui jette, qui parle de quelqu'un. Et là, on est bien sur Emmanuel Macron. Réussite, réussite absolue sur le peuple après des destructions, par contre massives, j'oserais dire. Ah oui, réussite sur l'ennemi, réussite sur quelque chose qui se découvre, qui est très très fort. Je vais me permettre de recouvrir encore celle-là et on arrêtera ici le tirage sur les choses du passé. Ouais, tout se découvre. Tout ce qui a été caché, etc., etc., tout se découvre. Et voilà, et on me remontre à nouveau ce fameux gruyère. C'est quand même assez, assez fort. Je vais recouvrir trois cartes. Je voulais deux, mais trois. Pour finaliser, la réussite, je la recouvre pas. Hein. Ici, et on va donc finaliser. Hop, ouais, trafic. Le trafic qui se découvre. Toutes les cartes sont à l'envers. Tout. Trafic, feu, quelque chose qui coupe. Hein, c'était là. Voilà, procédure. On cherche à arrêter un homme pour lui dire stop, ça y est, c'est fini. Basta, tu t'en vas. Mais je ressors tout de même quelque chose qui coupe énormément. Donc procédure, bien sûr, mais aussi une lame ou du métal autour de lui ou j'en sais rien. Voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens. Hein.
Donc le trafic, les choses qui se découvrent, aucun problème là-dessus. Et oui, pensez à amitié. Donc là, on serait bien sur un pote à Macron. Hein. On serait bien sur quelqu'un ou de la sécurité. Ou, donc ça pourrait effectivement correspondre à Benalla ou alors à quelqu'un d'autre. On s'y attend pas du tout. Mais quelqu'un qui serait ami, ami ennemi, mais ami quand même au niveau d'Emmanuel Macron. Et la dernière qui est ici, hop, et bien voilà, donc le peuple va parler de réussite, de choses. On rentre vraiment dans quelque chose d'historique, totalement historique au niveau de la France. Il va falloir tout de même s'accrocher énormément. Ça va brasser énormément. C'est comme si on allait ressortir de la terre et jaillir d'un coup, hop. Et d'un coup, on ne peut plus agir. Et pour moi, c'est vraiment Paris qui reste touché en priorité. On reste vraiment sur Paris et j'en sais rien. Et tout ce qui se passe sous Paris, peut-être. Voilà. Donc, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Tirage sur la France en général, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Vous avez une petite clochette également à côté, donc cliquez dessus. Comme ça, vous recevrez automatiquement mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle soirée en images. Il y a un petit coucou de Jizzy qui est passé ici cette fois et qui dort. Je vous souhaite à tous une belle soirée, belle soirée, plein d'amour pour vous. Paix dans le monde, paix au peuple. Au revoir.